For the ministry of the world. Jesus Christ. Quelqu'un lise pour nous. Let someone read for us. Proverbes chapitre 6, verset 1 à 5. Proverbs chapter 6, verse 1 to 5. Proverbes chapitre 6, verset 1 à 5. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé dans les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Amen. Proverbs chapter 6, reading from verse 1 to 5. My son, if you have put up security for your neighbor, if you have struck hand in pledge for another, if you have been trapped by what you said, ensnared by the words of your mouth, then do this, my son, to free yourself. Since you have fallen into your neighbor's hands, go and humble yourself. Press your plea with your neighbor. Allow no sleep to your eyes, no slumber to your eyelids. Free yourself like a gazelle from the hand of a hunter, like a bird from the snare of a fowler. Amen. Hallelujah. Amen. La parole de Dieu nous donne un conseil. The word of God gives us an advice. Très essentiel. Very important. Vous savez ce qui nous préoccupe maintenant? You know what concerns us right now? C'est comment faire? Is how to do quand on a
perdu la bataille. When you have lost the battle. Faut-il considérer que c'est fini pour toi, c'est fini, tu t'en vas à l'enfer? Shall you consider that it's over for you, you are going to hell? Ou y a-t-il quelque chose? Or is there anything que tu dois faire? You must do pour changer l'histoire. To change the story. Pour enlever la fête au diable. To remove the festival to the devil. Pour mettre fin aux cris de joie des Philistins. To put an end to the shouts of joy of the Philistines. Vous savez quand les Philistins avaient saisi Samson, c'était know, la fête. When Philistines seized Samson, it was a festival. L'ennemi célèbre. The enemy celebrates chaque prise. Each coach. Il est content. He is happy. Tu peux être dans un piège d'un engagement insensé. You can be into the trap of an insensitive commitment. Sorry, an senseless commitment. Quelque chose peut te dire, dis à ton père que tu vas lui construire une maison l'an prochain. Something can tell your father you'll build him a house next year. Sans réfléchir. Without reflecting. Sans rechercher la volonté de Dieu. Without seeking the will of God. Maintenant tu commences à réfléchir que hey. Now you start thinking and say, hey. Je vais commencer par où? Where will I start? Tu commences à voler. You start stealing. Tu monnaies les services. You are changing your services. La parole de Dieu dit. The word of God says. Si tu es déjà dans un piège. If you are already into a trap. Parce que tu as parlé légèrement sans réfléchir. Because you spoke lightly without thinking. Comme le jeu, tu te retrouves secrétaire général d'une association. As a young man, you find yourself comme, general secretary. Comme un jeu. As a joke. Tu es déjà secrétaire général. As a game, you are already a general secretary. Après, tu commences à dire, hey. And later you start saying, ça veut dire que je dois être là-bas tous les week-ends. This means I must be over there every weekend. Tu es déjà pris. You are already trapped. Ça peut être un engagement de commettre un péché. It can be a commitment to commit a sin. Nous étions dans un camp de jeunes. We were in a youth camp. C'était à Douala. It was in Douala. Et le frère comme Séraphin dirigeait. And brother, comme Séraphin was leading. Il a une grande passion pour la jeunesse. He has a big passion for the youth. À la fin, le Saint-Esprit m'a dit, va dans ce groupe, va at demander end, qui a quelque chose à te dire. The Holy Spirit told me, go into this group and ask who has something to tell you. J'ai demandé la permission au frère comme Séraphin. I asked the permission to brother comme Séraphin. Il m'a dit d'aller. Parce que c'était à la fin. Il fallait savoir si c'est Dieu qui parlait ou bien c'était juste une émotion. It was at the end, so I need to know it was God speaking or it was just an emotion. Mais c'était le Saint-Esprit. But it was the Holy Spirit. Quand il m'a permis de le faire. When he allowed me to do it. Je suis allé. I went. J'ai demandé qui a quelque chose à me dire parmi vous. And I asked, who has something to tell me among you? Trois jeunes filles ont levé les mains. Three young girls put up their hands. Je les ai appelées. I called them. Nous nous sommes assis à l'écart. We sat down aside.
La première a raconté une histoire rapidement. J'ai prié pour elle et est partie. Told a story quickly and I prayed for her and she left. La deuxième m'a dit aussi quelque chose que je ne peux même pas, dont je ne peux pas me rappeler maintenant. And the second one told me something I cannot remember myself right now. Mais la troisième. But the third. M'a dit. Told me. J'avais donné rendez-vous à un garçon aujourd'hui à 13h. I had given an appointment to a boy today at 1. C'était pour commettre la fornication pour la première fois. It was to commit fornication for the first time. Je lui avais dit que s'il arrive, I told him that if he arrives, s'il ne me voit pas, qu'il envoie mon petit frère m'appeler. If he did not see me, he should tell my junior brother to go and call me. Et à 13h, on était encore au camp. And at 1 o'clock, we were still in the camp. Et la vérité était déjà entrée dans son esprit. And the truth was already in her mind. Elle ne voulait plus rentrer dans cet état. She didn't want to go back with this state. En fait, c'était même pas. Elle avait obéi au message, mais Dieu connaissait son cœur. Actually, she had obeyed the message, but God knew her heart. Elle ne savait certainement pas comment se dégager de ce piège. And maybe she didn't know how to get rid of this trap. Et le Saint Dieu qui est vivant. And God, who is alive. M'a parlé. Il m'a parlé. Spoke to me. Dit, va dans le groupe là. And told me go into this group. Quelqu'un a quelque chose à te dire. Someone has something to tell you. Je lui ai rendu ministère avec zèle. I ministered to her with zeal. Pour l'aider à se dégager violemment de ce piège. To help her to free herself violently from this trap. Et nous sommes séparés. And we separated ourselves. Longtemps après. Long time. Il y avait une grande rencontre de l'église. There was a big meeting of the church. Je vois une jeune fille avec sa mère. I see a young girl with some mother. Elle dit, c'est lui. She said, Mommy, look at him. C'est lui. He is. Je regarde. I watch. Sa maman était là, elle souriait. And her mother was smiling. Elle me dit, c'est toi à qui j'avais dit que j'avais rendez-vous avec un garçon. You are the one I told I had an appointment with a young boy. Elle se portait bien, sa mère était she heureuse. She was feeling very well, and her mother was happy. C'est lui. It's he. Si elle était morte. If she were dead. On n'allait pas voir cette histoire. We would not have a story. Elle a saisi l'occasion. She seized the opportunity. Elle dit, c'est moi, je vais te dire une chose. She said, aujourd'hui, me, I will tell you one thing. Today, at 1 a.m., le rendez-vous était scellé. At 1 p.m., the meeting je was sealed. Je devais commettre le péché. I would go and commit immorality sexual pour la première fois. The sin of sexual immorality for the first time. J'ai dit à ce garçon que s'il arrive, I told this boy that if he arrives, s'il ne me voit pas, il envoie mon petit frère. And I'm not there, he should send my junior brother to seek me. Acclamons pour le Saint-Esprit. Let us clap for the Holy Spirit. Si tu es tombé, if you have fallen, si tu es déjà enlacé, if you are already trapped, prie, comme on dit, prie dans les taux, that you are into the ropes, dégage-toi, free yourself. Lis ça. Read it. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu as cautionné ton prochain, if you en fait, il y a plusieurs your... pièges. L'essentiel est de savoir que tu es dans un piège. The essential is to know lequel that you are into a trap. Tu peux le savoir. But which one you can know it? Si tu t'es engagé pour autrui. Si tu t'es engagé pour autrui. If you have committed yourself for one someone. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche. If you are tied by the words of your mouth. Si tu es pris par les paroles de ta bouche. Si tu es pris par les paroles de ta bouche. If you are taken by your own words. Fais donc ceci. Voici le conseil. This is the advice.
Mon fils. Mon fils, ma my fille. My son, my daughter. Mon fils, ma fille. My son, my daughter. Dégage-toi. Dégage-toi. Free dégage-toi. Yourself, free yourself. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Tu es tombé, c'est un pouvoir. It's a power. C'est une puissance. Down. It's a power. Ça va te détruire. It will destroy you. Sans violence. Sans violence, without violence, tu ne pourras pas t'en sortir. You can't mon be, fils, mon you fils, can't get free. Dégage-toi de ce piège. My son, my daughter, dégage-toi, free dégage-toi. Yourself, free yourself tu es from tombé this trap. Sous un pouvoir. You have fallen c'est under une power. Puissance. It's a power. Ce n'est pas un sentiment it's not a feeling. Qui dépend de toi. It depends on you. Le diable the devil a tendu un piège. Has put tu es tombé déjà dedans. A trap and you have fallen into it. Si tu n'es pas violent, if you are not violent, le propriétaire du piège va te manger. The owner of a trap will eat you up. Pour lui, tu es un gibier. For him, you are a meat. Le diable rôde. The devil is roaring. Comme un lion. Like a lion. Rugissant. Qui rugit? Qui rugit? Who is roaring? Cherchant qui va dévorer. Seeking whom he will devour. Le diable the devil, qui a tendu ce piège who has set this trap, n'attendait que ça. Was just waiting for this. Comme tu es déjà dans le piège, as you are already inside, tu es déjà programmé. You are already planned. Il va te manger. He will eat you up. Ton salut your salvation dépend de toi. Depends on yourself. La violence. Your violence. Tu te dégages avec force et autorité. Get yourself free with strength. Tu te dégages avec des jugements. You set yourself free with judgments. Tu n'accuses pas quelqu'un. You accuse no one. Tu ne dis pas on ne me suit pas, on ne m'encadre pas. You don't say that I'm not taking care of quand me. Quand tu es dans un piège. When you are into a trap. Ne sois pas insensé. Don't be senseless. Pour dire que le dirigeant m'a fait chuter. Say the leader has made me fall. Les frères murmurent contre moi. Brothers are murmuring against me. Donc je suis tombé dans la colère. So I have fallen into anger. Quand tu es dans un piège. When you are into a trap. C'est une affaire. It's a matter. Des minutes, le propriétaire va visiter les pièges bientôt. Il va te trouver. It's a matter of minutes. The owner will visit the traps soon, and he will take off you. Et tu seras dans la gibecière. And you will be in his bag. C'est une domination démoniaque. C'est une puissance irrésistible. Ce n'est pas ton sentiment. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'affection. C'est un démon qui t'attire. C'est un pouvoir démoniaque. C'est une puissance irrésistible démoniaque. Ce n'est pas un sentiment. La passion des jeux du monde n'est pas un sentiment. Tu es déjà pris à la gorge. Tu es déjà en train de mourir. Ton avenir est déjà compromis, détruit. Tu n'auras pas ta voiture. Tu n'auras pas ta belle femme. Tu n'auras pas ta belle maison. Tu iras au village. Tu seras pauvre, misérable, malade. Tu es déjà mort. Ce n'est pas un sentiment que tu ressens. Ce n'est pas un sentiment que tu ressens. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas réel. Tu le sens. Tu le sais. Tu le sais. Tu n'as plus envie d'aller à l'école. Tu n'as plus envie d'aimer tes frères. Tu n'as plus envie d'aller au milieu des gens. Tu rases les murs. Tu as peur. Ce n'est pas donc un sentiment que tu ressens. C'est la mort qui t'a déjà enlacé. Tu ne vivras pas. Tu ne réussiras pas. Tu n'iras pas loin. Écoute ces paroles. Entends bien ces paroles. Et dégage-toi. Dégage-toi avec violence. Avec violence. Avec haine. Avec mépris du mal. Si tu n'as pas fait ça, ça ne marchera jamais. Tu ne peux pas le faire avec la joie. Tu dois le faire avec une haine volontaire, décidée. Tu ne peux pas réussir sans ça. Amen.
Père notre Dieu, tu parles à quelqu'un, tu parles à des hommes, tu parles à des personnes, tu parles à celui qui écoute. Que ta parole tombe dans des cœurs qui écoutent. Que nos cœurs s'ouvrent, Seigneur, et que ta parole descende dans nos cœurs. Que celui qui doit entendre, entende. Et que celui qui doit obéir, obéisse. Je prie que tes paroles ne nous dépassent pas. Que ta parole ne dépasse pas sa cible. Qu'elle tombe dans le cœur de sa cible. Et que cette personne, ces personnes qui sont déjà prises dans ce piège, s'en dégagent violemment. Nous prions que ce piège soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que la délivrance opère ici et maintenant. Que la délivrance opère ici et maintenant. Comme le témoignage que nous avons entendu de cette petite qui a le voir le pasteur. Je prie qu'il en soit ainsi. Oh Père, oh Père, oh Père. Oh Père, oh Père, oh Père. Que la cible soit touchée. Que la cible soit touchée. Et que la délivrance opère. Que la délivrance opère. Que la délivrance opère. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Séraphin Dier. Je suis missionnaire dans la localité de Sassandra. Je voulais rendre un court témoignage concernant le pouvoir et non les sentiments dont le pasteur est en train de parler. Quand nous sommes allés sur le champ de mission, et mon épouse avait juste engagé une jeune fille pour l'aider dans le commerce. Et un jour, j'ai voulu prendre un vêtement. Comme nous étions dans deux chambres salon, le panier à linge se trouvait juste dans la chambre d'à côté. Et avant d'entrer, j'ai toqué. J'ai dit, Coco, est-ce que je peux entrer? La jeune fille dit, oui, tu peux entrer. Dès que je suis entré dans la chambre, j'ai trouvé la jeune fille en slip. J'ai dit, mais il fallait me dire que tu n'es pas habillé. Je suis ressorti. Pour moi, je pensais que c'était un truc que je pouvais gérer. Un jour, deux jours, quand je vois la fille, il y avait un désir de vouloir coucher avec elle. Je pensais que je pouvais gérer, j'ai jugé, j'ai prié. Une semaine après, je sentais un désir de vouloir coucher avec cette fille. Et le Seigneur me dit, il faut avouer ça à ta femme. J'ai appelé mon épouse dans la chambre. Et chérie, où tu me vois là, ma tête est gâtée. La jeune fille que tu as envoyée là, quand je la vois, j'ai envie de coucher avec elle. Il faut prier pour moi. Et mon épouse m'a imposé les mains à prier pour moi. Le lendemain, quand je regardais la petite, je me posais la question, mais qu'est-ce qui m'attirait? Parce qu'elle n'avait rien de spécial plus que mon épouse. Donc quand le pasteur parlait, effectivement, ce n'est pas un sentiment, c'est une puissance. J'avais envie de sauter sur la petite fille pour coucher avec elle. Si je faisais ça, j'allais ruiner plusieurs années. Et quand elle a fini de prier pour moi, quelques jours après, elle m'a posé la question. Tu désires encore cette petite fille, chérie, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a pris. Vraiment, tu m'as délivré quand tu as prié. Pour dire qu'effectivement, c'est une réalité, frère. Ce n'est pas quelque chose de sentiment. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus fort que toi qui te pousse à vouloir poser l'action. Quand elle a fini de prier pour moi, j'ai été délivré. Je voulais bénir le Seigneur pour dire que ce que le pasteur en train de dire, c'est une réalité. Si je n'avais pas appelé mon épouse pour lui avouer cette transparence-là, peut-être aujourd'hui, je ne serai pas là. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je voulais te dire merci. Merci beaucoup, Seigneur. Et pendant que ton serviteur est en train de parler de la différence, Seigneur, entre la puissance et le sentiment, je prie que nos esprits s'ouvrent. Afin que, Seigneur, tous ceux qui sont dans le piège actuel soient dégagés, Seigneur. Je plaide, oh Père éternel, que personne ne ressorte d'ici, étant encore dans les pièges, Seigneur. Merci parce que tu nous délivres maintenant. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.
regard à Dieu. Ce que le pasteur Meunier dit, c'est vrai. Cela m'est arrivé un jour. J'évangélisais dans les Gbaka et dans les Woro-Woro. Et quand un jour j'ai évangélisé, je descendais du Gbaka et il y a un monsieur qui m'a salué. Je ne savais pas que le monsieur m'avait observé depuis que j'évangélisais. Et il m'a échangé, on a échangé les numéros. Et le monsieur a commencé à m'appeler. Moi aussi, j'ai commencé à l'appeler aussi. Mais je pensais qu'il allait, s'engager. Je lui avais parlé de la vraie repentance. Je pensais qu'il allait accepter. Il n'avait pas accepté. Et dans ça, l'amitié a commencé à naître. Et j'ai commencé à aimer le monsieur sans le savoir que j'étais atteint de partir vers le péché. Et l'amour a commencé à être fort. Et les désirs étaient intenses. Donc, un jour, je me suis dit que, ah, Seigneur, quand l'amour a commencé à être fort, j'ai dit, Seigneur, je vais faire comme les autres. Ce que je n'ai jamais fait là, je vais faire aujourd'hui. Et il m'a donné rendez-vous. Ce jour-là, cet rendez-vous qu'il m'avait donné, j'ai respecté. J'avais lutté au début, mais j'ai commencé à m'engager. Et j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui là, je vais faire comme les autres. Quand les autres font, tu ne dis rien. Aujourd'hui là, moi aussi, je vais aller faire. Et quand j'ai pris cette décision, je me suis lavée. Au moment où je me suis habillée, que je vais partir, j'attends une voix qui me dit, le désir entre l'homme et la femme est très fort. C'est comme un courant d'eau. Si tu t'en vas, que tu couches avec lui, tu ne pourras plus jamais te relever jusqu'à ta mort. Et quand j'ai entendu ça, je me suis mise en genoux et j'ai demandé pardon au Seigneur. Et depuis ce jour-là, j'ai effacé le numéro du monsieur et je me suis repentie. Et les choses ont changé tout d'un coup. L'amour que j'avais pour lui, c'était parti. Je n'avais plus l'amour de cet homme et c'est là que j'ai compris que j'étais vraiment dans un piège. Je ne savais pas. Vraiment, le Seigneur, si le Seigneur ne m'avait pas délivré de cette parole, j'allais m'engager sans le savoir que j'étais vraiment dans un piège. Et vraiment, j'ai regretté. Et j'ai vu que si un enfant de Dieu, tu te consacres au Seigneur, qui voit ta détermination, il va te délivrer. Merci. Soyez béni. Oh Seigneur, je prie que tu délivres au Seigneur, oh Seigneur, ton église, au Seigneur, des pièges, Seigneur du diable, ceux qui sont pris dans le piège. Oh Seigneur, aide-nous à nous dégager. Seigneur, pendant que tu nous parlais au travers de ton serviteur, oh, les images me sont venues clairement de mon esprit. Oh Seigneur, quand j'étais encore petit, puisque j'ai grandi au village, Seigneur, il arrive des moments où je vais au champ pour visiter les pièges. J'arrive parfois que je trouve qu'il y a des pièges qui ont pris. Oh Seigneur, gibier. Le gibier s'est débattu et il a échappé. Je vois juste les poils. Je me mords les doigts. Je dis, oh, j'ai raté ce gros gibier. Seigneur, c'est la même chose. Il arrive un moment où je me suis trouvé, le piège a pris le gibier. Le gibier est encore vivant, en train de se débattre. Mais à ma présence, il est trop tard. J'achève le gibier et je suis content. Il en est de même. Le diable nous a tendu plusieurs pièges et plusieurs d'entre nous sommes tombés là-dedans. Nous sommes encore dans le piège. Oh Seigneur, aide-nous à nous dégager violemment. Aide-nous à nous dégager violemment parce que celui qui a posé le piège, oh Seigneur, en train de venir. Seigneur, aide-nous à nous dégager violemment. Aide-nous à nous dégager violemment de ce piège. S'il te plaît, Seigneur, que chaque jeune se dégage, oh Seigneur, de ce piège. Que l'ennemi ne vienne pas achever. S'il te plaît, Seigneur. Oh, rien la baka la baka la baka la baka. Oh, la baka la baka la baka la baka la baka la baka la baka. S'il te plaît, Seigneur. Et chaque jeune à se dégager de ce piège. S'il te plaît, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kwasi Priska Yosel, pour faire des disciples, pasteur à nos Kwasi de la Rivière à Dieu. Alléluia.
Ce matin, je me tiens ici pour être délivrée de cette confusion qui est dans ma tête depuis lors. Et bien avant que je vienne à CMCI, j'étais dans une autre dénomination. Et après cela, j'ai connu un homme. Et ce dernier mois, nous avons eu un enfant. Et ce dernier, quand il a eu son bac, il est venu sur Abidjan ici. Et par là, l'évangile est rentré dans sa vie. Et il a donné sa vie à Jésus. Et il a demandé à ce que nous coupons tout. Et même les messages, même on ne s'envoyait pas. Et je voyais que c'était douloureux parce que je me suis dit quoi, on a déjà eu un enfant, pourquoi on doit couper certaines choses? Et après, je me suis retrouvée à Abidjan ici et il a demandé qu'il avait une croisade. A-t-il quoi ici que de venir? Et je suis venue et le Seigneur, par la grâce, moi-même je suis venue, j'ai compris la vérité. Alléluia. Et dans ça, depuis lors, moi avec ce dernier, ça fait depuis 2015, nous nous sommes connus et nous sommes à la CMC ici. Et quand j'ai cru, il y avait les appels, nuit et jour on s'appelait. Et j'ai expliqué cela à mon fidèle disciple. Et il a dit que donc, quand tu viens à Dieu, il faut qu'on vous sépare. Si jamais le Seigneur a la main dedans, vous allez vous marier. Et c'était ça, j'étais dans l'attente à plusieurs reprises. Jusqu'à, mais malgré ça, on s'envoyait des messages. Tu prends, il peut m'envoyer des messages, je t'aime, tu me manques. En tout cas, et l'enseignement que nous avons compris ici, je vois que c'était un peu différent. Je vois que moi-même, ma manière de voir les choses était différente de ce qu'il voyait. Mais puisque j'étais grand dans la foi, mais je ne comprenais pas. Et j'ai dit à mon frère de disciple a décidé de le croiser. Et ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, lui-même, il m'a fait les comptes rendus pour me dire que, ah, je suis partie chez ton frère de disciple, d'abord qu'il s'est comporté avec moi. Vraiment, en tout cas, il était énervé et il avait pris les résolutions. Et j'étais là, moi aussi, j'étais confuse, je pleurais. J'étais faible. Et dans ça, je suis venue voir mon frère de disciple. Il dit, si il est pour toi, le Seigneur va permettre que vous vous mariez. Mais s'il n'est pas pour toi, le Seigneur va envoyer un vaillant pour toi. Alléluia. Et dans ça, on a continué dans cette lancée. Et mon frère de disciple a demandé à ce que les appels, les messages, tout ça, on arrête cela. Et nous avons arrêté. Et lui, de son côté, il n'arrivait pas à me joindre. Il était irrité. Il a dit que non. Pourquoi que ce n'est pas normal? On a d'ailleurs eu un enfant ensemble. On doit s'appeler. Que lui-même, il a vu son frère de disciple. Son frère de disciple, que ce n'est pas normal que je suis la mère de son enfant. Pourquoi on ne peut pas s'appeler pour voir? Souvent, on doit s'appeler pour voir comment l'enfant va, tout ça. Et c'était comme cela. Et moi aussi, un jour, je l'ai dit si réellement, puisqu'on se connaissait déjà dans le monde, et il n'y a rien à cacher comme. Si jamais il m'aime, on a déjà un enfant, il n'a qu'à partir voir son frère de disciple pour pouvoir légaliser les choses. Et depuis lors, il a dit que si le Seigneur le veut, nous allons nous marier. Mais si le Seigneur le veut, il dit à tout moment, si le Seigneur le veut, mais on continue de s'appeler. Souvent, ça pète tardivement. Souvent, même mes émotions sont là. Et j'ai envie même d'aller avec ce dernier. Mais il me dit, si le Seigneur le veut, je suis confuse. C'est quelle exhortation le Seigneur va donner là. Et dans ça, il y a eu des moments, même un jour, bon, on a eu des attouchements. Et depuis lors, je me suis sentie sale, suée. Et j'ai causé de ça à mon frère de disciple. Et je lui ai dit, ah, papa, voici ça, ce qui s'est passé. Et il a comme ça, bon, il a comme ça échangé avec moi pour m'exhorter, tout cela. Et quand il a fini,
Je l'ai dit, j'ai dit au père de mes enfants que moi j'ai eu à causer avec mon frère des disciples, que ce qu'on a fait là, je ne veux plus faire ça. Il dit, toi, toi-même, tu as cru même il n'y a pas longtemps. C'est toi, tu penses que c'est toutes les choses qu'on explique. C'est pas toutes les choses qu'on explique. Même ton physique, qu'elle a, il a ses problèmes. Bien aimé, si je me tiens ici, c'est que je suis confuse, raison pour laquelle je suis là. Alléluia. Je suis confuse, je suis là. Même il y a les anciens, je les explique. Il me dit que vraiment de rester dans la prière. Un pasteur qui m'a dit de prier pour ça. Lors de la retraite des célibataires, je voulais parler de ça, mais mon cœur palpitait comme si mon cœur voulait s'arracher. Mais aujourd'hui, j'ai pris mon courage à deux mains pour être là au milieu de vous, pour être délivré de cette confusion. Alléluia. Gloire à Dieu. Et chemin faisant, il y a eu un moment, je l'ai dit systématiquement que, si jamais tu m'aimes, va voir ton faisait de disciple et dis-lui que tu veux régulariser les choses entre la mère de tes enfants et toi. Parce que là où on s'en va, vraiment, j'ai décidé de suivre le Seigneur et je ne veux pas être confuse. Moi-même, je ne connaissais pas la vérité et maintenant la vérité m'a affranchi. Pourquoi je vais rester encore dans la chose? Il dit, toi, tu as cru, ça ne vaut pas 2 ans, c'est toi, tu veux parler de mariage. Il dit, mais quoi? On s'est connus depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Si on veut compter, mais ça sera dans bientôt 10 ans. Et on a connu la vérité. Même si ce sont les moyens qui ne sont pas là, on peut trouver solution. Si réellement, toi-même, tu donnes ton accord, on peut faire le mariage. Et il a dit, si le Seigneur le veut, on va se marier. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je suis confuse. Je suis confuse, je suis là. C'est le père de mes enfants. Bien avant que je vienne vers, il vient vers moi, j'avais déjà une fille qui avait 3 ans. Mais actuellement, cette dernière, elle a 13 ans, elle est au milieu de nous ici. Et nous avons déjà un enfant. Je suis confuse. Oh, c'est un piège, tu n'es pas confuse. No, it's a trap, you are not confused. Amen. Tu sais, quand il te dit que si le Seigneur le veut, toi tu when comprends he quoi? When he tells you that if God wants, what do you understand? Qu'est-ce que tu comprends quand il te dit que si le Seigneur le veut? Je comprends par là qu'il ne veut pas s'engager. Donc, pourquoi tu es confuse? So why are you confused? Parce qu'il ne t'a pas trompé. Il t'a dit, si le Seigneur le veut. Deceived you. He told you. Pourquoi je suis ici? Parce que bien vu qu'il a dit, si le Seigneur le veut. Mais on continue de s'appeler. Mais j'ai décidé de arrêter tous les appels qui immoraux. Et j'ai été strict envers ça. Maintenant, moi je suis là, je vais servir le Seigneur. Et si jamais, il a dit que le thème de ce camp dit que dégage-toi des pieds de Satan. Attends, et si, attends d'abord, tu as quel âge? J'ai 30 ans, bientôt j'aurai 21 ans. Tu as combien d'enfants? J'ai 2 filles. Quand un garçon qui a couché avec toi jusqu'à avoir des enfants te dit, si le Seigneur te le veut, je vais l'épouser. Qu'est-ce que tu comprends? Je ne crois pas que c'est un piège du diable. Si tu es dans un piège, qu'est-ce que tu fais? Je me dégage. Tu te dégages. Tu dois savoir, tu sais. Écoutez, jeune fille. Listen. Vous devez être intelligente. You must be intelligent. Pour savoir quand un garçon ment. To know when a boy is lying to you. Écoutez ça. Listen to this. Le père de ton enfant ment. The father of your son is a liar. Ne dis pas que tu es confus. Si tu es confus, ça veut dire que les frères même t'ont trompé. Don't say you are confused. If you are confused, it means that even brothers have deceived you.
Il te trompe. S'il est là, he's deceiving you. If he's here, il est mauvais. He's bad. Il n'est même pas placali. Placali est mangeable. He's not even weak. Placali est mangeable. Because cassava fufu is eatable. Que Dieu le visite. May God visit him. Qu'il cesse d'être trompé. And may he stop deceiving you. Qui vienne être le père de l'enfant et le mari de la mère de l'enfant. Let him come and be the father of a daughter of a son and the husband of a girl. Quand on trouve des gens qui vivent ensemble ou qui ont des enfants, when we find people who live together or who have children, on les sépare pour qu'ils entrent dans la vérité. We separate them so that they may enter the truth. Qu'ils arrêtent à commettre les péchés. And that they stop committing sins. Certains garçons viennent découvrir d'autres beautés dans l'église. Some boys come and discover all the beauties in the church. Et ils commencent à planifier des nouvelles relations avec les nouvelles beautés. And they start planning new relationships with the new beauties. La sagesse pour toi ne consiste pas à dire je suis confus. Wisdom for you is not to say I'm confused. Tu dois savoir. You must know que cet homme, that this man is lying to pas. You. He doesn't love you. Ça n'a rien à voir avec la confusion. It has nothing to see with confusion. Donc, so, qui est ton faiseur de disciples? Who is your disciple? Ça le passe à Nokwasi de la Riviera, de, le président de la jeunesse. Ok, tu deviens disciple de Maman Colette. Ok, you become disciple of Maman Colette. Gloire à Dieu. Moi, je suis le frère Elo Kwasi Bena. J'ai pour faire d'ici pasteur Kwaku Yves Parfait. Je veux vraiment dire merci au Seigneur pour sa parole aujourd'hui. Il faut dire que quand je venais au Seigneur, j'avais une copine. Et après ma repentance et mon baptême, je n'échangeais plus avec elle. Et il arrivait un certain moment où elle m'a appelé un jour. Lorsqu'elle m'a appelé, elle me dit qu'elle a, elle a envie de me voir. Je venais à peine de me baptiser. Elle me dit qu'elle a envie de me voir qu'il y a longtemps. J'ai coupé. Puis j'étais en train de réfléchir. Et je suis allé chercher Dieu. J'ai dit, Seigneur, je viens à peine de me repentir. Je viens à peine de me baptiser. Et je dois me séparer d'elle, mais je ne sais pas comment je vais faire. Oh, elle était une femme bien, elle était une fille bien. Quand j'étais dans les problèmes, elle m'a beaucoup aidé. Mais je ne sais pas comment me séparer d'elle. Et c'est comme ça qu'il a expliqué l'affaire à mon faisait des disciples. Il m'a dit de couper le lien avec elle. Mais c'était compliqué. Je ne l'appelais pas, mais je m'appelais seulement. Il m'appelait seulement. Jusqu'à il dit, je vais lui prêcher l'évangile, peut-être ça peut changer quelque chose. Gloire à Dieu. Et je l'ai appelé, je lui ai prêché l'évangile. Elle m'a dit, ah, tu es devenu pasteur maintenant. Il dit, c'est Jésus qui m'a transformé. Que je voulais te dire que ce qu'on a fait dans le passé là, c'était dans le péché. Car actuellement, je me suis repenti de tout cela. Je voulais te demander pardon pour tout ce que j'ai fait avec toi, parce que j'étais poussé à commettre le péché sans le savoir. Donc moi aussi je voulais t'inviter à te repentir, à donner ta vie au Seigneur Jésus. Elle dit, toi avant-hier, aujourd'hui tu vas me dire tu connais Jésus, donc tu vas me prêcher l'évangile. Donc elle a changé de sujet.
Le Seigneur dit, moi, je n'ai pas d'eau souci. Il faut que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Là, comme ça, on peut marcher ensemble. Elle dit d'arrêter ça. Donc, j'ai coupé. Après, quelques temps après, elle m'a rappelé. Elle me rappelle, je coupe. Elle me rappelle, je coupe. Jusqu'à, c'était vraiment intense. Et moi, je l'ai rappelé. Et je lui ai dit, bon, à partir de maintenant, si tu veux vraiment, si tu veux qu'on soit ensemble, je vais te présenter à mon fils et disciple. Lui-même va te prêcher, lui-même va échanger avec toi. Là, comme ça, les choses vont aller. Elle avait accepté. Et quelques temps après, elle dit, non, pourquoi? Elle a son église. Pourquoi on ne veut pas être ensemble étant dans les églises différentes? Ça a dit, non, que il y a des fausses églises, il y a des fausses dominations. Ici, là où je suis là, je veux que ma femme, celle avec qui je dois marier, doit être dans mon assemblée, dans mon église. Parce que ici, il y a la vérité ici. Donc, c'est là qu'elle lui a dit, normalement, un bon chrétien ne doit pas écouter la musique mondaine. Mais toi, tu es dans une église, bon, peut-être que tu as connu le Seigneur avant moi, mais tu continues d'écouter la musique mondaine. Qu'un bon chrétien ne doit pas écouter. Quelqu'un qui a reçu vraiment la vérité ne doit pas écouter. Et c'est comme ça, il dit que non, c'est que nous n'avons pas la vérité. Que les pasteurs même qui dansent les cascasses là. Ça, il dit, c'est pour cela que je voulais que tu viennes ici. Parce que tu vas voir vraiment les serviteurs de Dieu. Et elle a dit, moi-même, je suis venu chez elle. Et ça, il est raccroché. Quelques temps après, elle m'a rappelé. Je lui ai prêché encore l'évangile. Elle me rappelle, je lui ai prêché encore l'évangile. Elle dit, donc, ton appel à Dieu est sérieux. Je dis, Jésus m'a transformé actuellement, je vis pour Jésus. Ce que j'ai fait dans le passé, je ne veux plus retourner là-bas. Donc, si tu veux marcher avec moi dans cette nouvelle vie-là, donne ta vie au Seigneur Jésus. Et c'est comme ça, j'ai raccroché encore. Elle insistait. Ça, je lui ai dit, bon, à partir de maintenant, parce que je ne sais pas comment il a fait. Pas de maintenant, quand tu seras prête à faire ta repentance, tu m'appelles. Quand tu seras prête, ne m'appelle pas pour n'importe quoi. Le jour où tu seras prête à faire ta repentance, tu m'appelles. Et c'est elle-même, elle a raccroché. Depuis ce jour-là, elle m'a pu appeler jusqu'à présent. Gloire à Dieu. Je vais vraiment dire merci au Seigneur qui m'a aidé à me dégager de ce piège. Aujourd'hui, sa parole est claire. Vraiment, que l'honneur et la gloire lui soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Inès Nana Vanessa et mon frère disciple, c'est le pasteur Meigné Boniface. J'ai beaucoup réfléchi avant de rendre ce témoignage parce que je ne l'avais jamais rendu publiquement. Mais je me suis dit qu'il fallait que je rende ce témoignage. Gloire à Dieu. Après mon bac, j'ai été envoyée à l'université de Cocody. Et il faut dire que là-bas, il y a la liberté, on ne te surveille pas. Et j'ai eu à faire la rencontre de quelqu'un. Et j'ai une amie qui me disait comme ça que non, arrivé à l'université, tu peux trouver ton mari là-bas. Et j'avais cette pensée-là, mais quand même, j'étudiais. Et j'ai fait la rencontre d'un jeune là-bas qui était en médecine. Et j'ai dit, voilà, j'ai eu mon médecin. Amen. Mais ça a créé des problèmes dans ma vie. Alléluia. Et dans cette optique, je connaissais déjà la CMCI, mais je n'étais pas engagée. Et quand je suis arrivée à l'université, je suis tombée dans le groupe du GEB, à la tête le pasteur Lacot. Et un jour, nous avons eu une veillée. Et le Seigneur nous a dit, à cause de toi seul, Dieu peut punir toute une église à cause du péché. J'ai eu peur, j'ai commencé à trembler. J'ai dit, ah, donc à cause de moi, ils vont punir tout cela. Mais après, j'ai laissé. Et j'ai continué ma relation d'impudicité avec la personne. Un jour, nous étions à une... Bizarrement, je participais aux réunions, mais avec une double vie. Et un jour, il y a eu une rencontre du GEB et la prophétie est sortie. Cette prophétie-là disait, mon enfant, je t'aime, mais je ne veux pas te perdre. Ah, j'ai senti que la prophétie parlait de moi.
mais j'ai avalé. Gloire à Dieu. Et la prophétie a tellement insisté que je dis, quand il est sorti là, il faut que je parle à quelqu'un. Et c'est comme ça que j'ai saisi le pasteur Lako. Et à cause de l'amour qui me manifestait, donc je voulais être plus clair pour qu'il puisse m'aider. Et je suis allée voir, dire, pasteur, moi que tu vois là, vraiment, je ne suis pas claire, je ne suis pas sérieuse. Et j'ai déversé, je lui ai tout expliqué. Entre-temps, je n'avais pas encore rompu la relation. Donc souvent, quand le gars m'invite, j'appelle le pasteur Lako, pasteur, on m'invite au glacier, on m'invite dans tel coin. Il dit, habille-toi, nous-mêmes, on sort, on va au glacier aussi. Donc je les suivais. Gloire à Dieu. Et un jour... Acclamation. Clap. Jésus-Christ. For Jesus Christ. Gloire à Dieu. Un jour, j'étais dans le taxi. J'avais une pression. Non, j'étais en chambre. Et j'avais une pression qui me disait, mais Félix, là, il t'aime. Il dit, je lui parlais de Jésus. Et il est venu, je lui ai prêché l'évangile. Il dit, votre église où on fouille dans la vie des gens, là. Moi, il ne va pas là. Mais il dit, en tout cas, on fouillait dans ta vie. Amen. Mais je n'arrivais pas encore à m'en défaire. Et un jour, j'étais dans un... Il m'a appelé pour un rendez-vous. J'ai dit, bon, t'es parti. Et je suis montée dans la voiture. Frère, dans la voiture, le Seigneur m'a visité. Et le Seigneur m'a dit, quand tu vas finir de commettre le péché là, tu vas dire quoi à Lako? Tu vas dire, parce que je vivais avec une sœur, la sœur Moya. Tu vas dire quoi à Moya? Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Tous ces efforts-là en vain. J'ai garé la voiture, j'ai dit, je l'attends. Quand je lui ai dit, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il ne peut plus avoir des relations avec toi. C'est fini, c'est fini. Gloire à Dieu. Acclamation. Clap. Frère, je me suis retournée. Et le Seigneur m'a dit un jour, dans le livre du frère Zach, à l'école de la vérité, il m'a dit, tu veux que je te bénisse, mais tu caches les choses. Donc, j'ai appelé le pasteur Lako. Il a dit, pasteur, ah, moi, il partait commettre l'immoralité. Vraiment. Ça a chauffé. Mais je n'ai pas cédé. Mais voici ce qui s'est passé. Il m'a dit, c'est le meilleur cadeau de fête des pères que tu pouvais m'offrir. Gloire à Dieu. Ça m'a fait vraiment de la joie de savoir que le fait que tu ne commets pas le péché, c'est un cadeau. Donc, je ne voulais pas le frustrer. Et un jour, j'ai continué comme ça. Et après, j'ai bloqué le numéro, j'ai supprimé de mon téléphone. Gloire à Dieu. Et j'ai dit... Clap. Et j'ai dit, c'est fini. Donc, j'ai continué ma vie. Et quelques temps après, j'ai croisé quelqu'un d'autre. Vraiment, je n'arrivais pas à m'en défaire. C'était difficile. Et un jour, je me suis assise devant Dieu. Le Seigneur m'a rappelé la veillée encore. Il dit, tu vois, si tu pêches, tu vas mettre en danger tout un groupe. Et j'ai dit, c'est fini. J'ai dit, j'ai appelé mon frère disciple, ce n'était pas le pasteur Meunier. J'ai expliqué au pasteur, ah pasteur, quand il m'a lu à l'université, voilà ce que je fais. Il m'a béni, il a prié pour moi, frère, jusqu'aujourd'hui. Quand j'ai rencontré le pasteur Meunier, je lui ai expliqué mon problème. Il dit, pasteur, voici comment je suis. L'immoralité me fatigue. Vraiment, et quand j'aime, je me donne à fond, je m'oublie. Et le pasteur Meunier a prié pour moi. Gloire à Dieu. Frère, jusqu'aujourd'hui, ça va faire 8 ans. Je n'ai pas eu de rapport sexuel avec un homme. Le Seigneur m'a protégé dans les tentations. Il m'a protégé. Gloire à Dieu. Un jour au quartier, il y a un mondain qui me draguait, frère. C'était mon gendarme. Grand détail, petits yeux, jolité. Gloire à Dieu. Frère, mon cœur a commencé à battre. J'ai couru seulement mon frère disciple. Quand j'ai su rentrer, il m'a dit, ça va. Il a dit, on t'a filé. Elle risque de ne pas devenir sage. Il m'a dit, assieds-toi. Et je l'ai expliqué. Il m'a dit, un homme qui t'aime là, il va venir me voir. Tu es une princesse. Il ne faut pas écouter ce que les gens te disent. Un homme qui t'aime, il viendra me voir. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Je suis allé dire à ce païen. Parce que il m'a dit, ne va plus là-bas. Frère, je ne suis plus parti. Gloire à Dieu. Et au quartier, on m'insultait. Le gars même m'insultait. C'est quel genre de femme, tu couches pas, garçon. Là-bas, là, tout est gâté, si c'est pas. Je lui ai dit, tout qu'on fait, des vierges meurent, des femmes mariées meurent. Tout qu'on fait, même si je ne me marie pas, du moment où il fait que je suis sauvée, c'est déjà bon.
Gloire à Dieu. Et le Seigneur m'a protégée vraiment. Après, j'ai eu des victoires, des victoires. Et un jour, le pasteur Meunier m'a dit, si tu veux tomber, que c'est chaud, pense à moi. Donc souvent, je marche, je dis, non, il ne peut pas trahir le pasteur Meunier, pas trahir le Seigneur, pas trahir le pasteur Meunier, pas trahir le Seigneur. Gloire à Dieu. Et quand il y a eu, quand j'ai commencé à m'ouvrir au pasteur Meunier, c'est pour dire que la transparence, effectivement, chasse la folie, ça chasse les mauvais esprits. Et un jour, le pasteur Meunier m'a dit, je veux simplement que tu passes au bureau. Salue-moi seulement passant. Parce que sans que quelque chose va arriver, effectivement, ce texte m'a... Il ne sait pas comment il a eu mon numéro, il m'a rappelé, mais j'ai coupé les ponts. Une nuit, je l'ai vu sortir de moi. Quand il est sorti, il m'a dit, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Je ne sais pas ce qui t'a pris. Et il est parti. Depuis lors, même dans les combats spirituels, la nuit, j'ai la victoire. Quand je me réveille, j'ai la victoire. Dans les tentations, je dis non. Gloire à Dieu. Je veux dire vraiment merci au Seigneur. Et j'ai renoncé à une histoire de si mon mari, si je ne peux pas marier un homme qui ne travaille pas, je ne peux pas marier un homme qui est ici. J'ai renoncé à tout ça. Et je crois que le Seigneur va me bénir. Mais je veux dire quand même merci au Seigneur. C'est un témoignage que j'ai gardé. Je n'avais jamais voulu le rendre publiquement. Mais le Seigneur m'a dit rends. Et je suis venue obéir. Que la gloire lui revienne au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je suis le frère Kwadiokouma Maurice de la zone spirituelle d'Abengourou. Mon faiseur de disciples, c'est le leader Médé Boniface. Je me tiens là pour psalmodier et exalter le Seigneur. Il est merveilleux. Le jeudi, pendant que l'enseignement passait, un moment de pause, j'ai partagé un témoignage à mon voisin et il s'est trouvé que hier matin, au culte matinal, dans notre famille, la grande famille Timothée et le sous-groupe numéro 4, notre dirigeante a demandé qui a un témoignage. Et j'ai partagé ce témoignage. Je suis un instituteur de formation. Donc, à n'en point douter, nous travaillons avec les enfants, les tout petits. Après au moins 26, sinon peut-être 27 année de carrière, un jour, je partais à l'école, comme d'habitude, je suis arrivé. Et je rencontre comme ça une de mes élèves, et c'est comme si un courant venait de me traverser. Le lendemain, je passe les élèves en revue, je passe de classe en classe en tant que directeur de cette école-là. Je la vois, je tombe sous son charme. Vraiment, je ne m'en revenais pas du tout. Je suis allé à la maison à midi, j'ai appelé mon épouse, que j'appelle affectueusement Madouce. J'ai dit, Madouce. Elle a répondu, j'ai dit, je suis en danger. Il faut que tu pries pour moi. Et comme elle a l'habitude de faire un petit commerce dans notre école, elle connaît plus ou moins certaines de nos élèves. Je lui ai dit, tu as vu cette petite fille-là? Elle m'a dit oui. J'ai dit, hier, quand je l'ai vue, voici la réaction que j'ai eue. Et encore aujourd'hui. Donc, je suis en danger. Il faut que tu pries pour moi. Et Madouce, mon épouse, a prié pour moi. Les jours qui ont suivi, cette sensation démoniaque a disparu. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus Christ. Et comme le Seigneur est fidèle pour reconnaître les bienfaits, je me suis ouvert à mon épouse. Je me suis déposé par terre comme un enfant parce qu'elle est ma mère, elle est mon tout. Elle a prié pour moi. Et le Seigneur a exaucé sa prière. Pendant que je m'y attendais le moins, ce n'est pas planifié, ce n'est pas programmé, je me suis retrouvé à l'INS. En tant qu'instituteur, je me suis retrouvé à l'INS. La formation finie. J'ai fait une formation pour devenir professeur. Au secondaire, par la grâce du Seigneur, sans aucun effort, c'est tombé du ciel. Comme pour récompenser cette transparence-là. Et quand on a fini, on nous disait, il faut rentrer dans un système pour être affecté. J'ai dit, moi là, vous ne savez pas celui qui m'envoie ici. Il s'appelle Jésus-Christ. Je lui ai dit, papa, si on finit, là où tu m'as pris là, tu me déposes là-bas. Quand on a fini, au moment où on balançait les uns les autres, je me suis retrouvé au lycée moderne d'Abengourou. Par la grâce du Seigneur.
Jésus-Christ. Jesus Christ. Seigneur, je vais être infiniment reconnaissant. Quand tu veux bénir tes enfants, tu les convoques à un endroit. Tu les envoies à Tiekwa, dans ta clinique, la Hot Clinique à ciel ouvert, pour la circoncision de nos cœurs, pour nous baptiser dans la transparence qui chasse la folie. Père, nous prions que les papas soient baptisés dans la transparence, que les mamans soient baptisées dans la transparence, que les enfants soient baptisés dans la transparence, afin que nous ayons une assemblée de transparence à travers le monde pour ta gloire. Au nom puissant de Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, Jésus-Christ m'a visité. Gloire à Dieu. Et sur le frère Panzaï, Esteban Stéphane. Mon frère d'ici, c'est le pasteur Koyadengi Yao. Gloire à Dieu. Quand j'ai cru, il y a quelque chose qui me fatiguait beaucoup. Mon cœur est dur, la colère. J'ai essayé de partager à certains frères de prier pour moi. Je n'ai pas de paix. Gloire à Dieu. Et je ne peux pas aller trop loin. Depuis mon enfance, c'est un peu difficile. Quand je suis né, je n'ai pas envie de marcher. Et selon les dits de mes parents, après de 4 ans déjà, je ne marchais pas. J'étais tombé malade. Et mes frères m'ont surnommé un nom chez nous, ici, Obé Guéré. On dit Kouyou. Kouyou, ça veut dire un enfant du diable. Et c'est ce nom qui me surnommait à chaque jour. Et j'ai grandi avec ça. Et mon cœur me fait mal à chaque jour, chaque fois. J'essaie de partager. Mais quand il voit qu'il essaie de partager, il dit, ma solution, les hommes ne peuvent pas me donner la solution. C'est Jésus qui peut m'aider. Tout à l'heure, il était assis là. Parce qu'il n'y a plus la parole. Il dit, comment sortir, si tu es dans le piège des gens, comment sortir de ce piège? Et on commence à prier, le missionnaire d'Abobo, il s'est levé, il a commencé à prier. Automatiquement, j'ai commencé à prier. Je ne suis pas né comme ça. Automatiquement, je suis tombé là-bas. Et les frères de l'équipe de délivrance, ils m'ont récupéré. Gloire à Dieu! Jésus-Christ m'a délivré. On veut me donner masse. Mon père, depuis mon enfance, il avait tout des masses. Ils ont fabriqué, il a payé les cheveux, tout, les matériaux de masse. Il voulait sortir avec cette masse-là. Et c'était pour fêter tout de masse pour sortir. Et mes tantes, ils disent non. Tu ne peux pas sortir la masse. Non. La masse est restée en l'air comme ça. Ok, le masque est resté en l'air comme ça, sans avoir propriétaire. Et quand je suis venu à Abidjan, je donne ma vie à Jésus en 2021, ils m'ont fait mes brisements de liens 2 fois. Mais souvent, quand il fait les songes, je me vois porter les masques. Il s'est habillé, j'ai commencé à verser les masques. Ils m'ont donné un cœur qui est dur. Qui est dur, méchant. Gloire à Dieu. Il dit, merci au Seigneur. Tout à l'heure, il m'en a délivré. Je suis libre. Je suis libre pour le servir. Je suis libre. J'ai dit, merci au Seigneur pour toute personne qui ont prié pour moi dans le secret. Mais si tu ne me connais pas, tu me connais. Et c'est que les gens ont prié pour moi. Qu'ils soient libres parce que mon cœur était méchant, cœur dur. Et ils ont pris leurs masses, leurs sociétés, tout ce qu'ils ont pris. Ils sont partis avec ça. Le frère Tra, il est venu, il a posé les mains. Il a prié pour moi. J'ai reçu la paix. J'ai reçu la joie. Il dit, merci au Seigneur qui délivre. Oh Seigneur, merci beaucoup pour ton amour, Seigneur. C'est ainsi que ce n'est pas toi, Seigneur. Toi, viens de danser les masses, Seigneur. Si ce n'est pas toi, Seigneur, qui peut me délivrer. J'ai cherché la solution, je n'ai pas trouvé la solution. Les hommes ne pouvaient pas me donner la solution. Je ne pouvais pas danser les masses parce que mon esprit refusait la masse. Mais aujourd'hui, le masque tourne.
impacté. Je suis libre. Je suis libre. Seigneur, c'est pour te servir. C'est pour te servir. Seigneur, je vais aller en mission. Je vais aller en mission. Mes parents, ils vont sortir des masses. Ils vont sortir des panthères. Trouve la sorcellerie. Sans couler. Je proclame que c'est un missionnaire. Je proclame que je vais servir le Seigneur. Je vais servir le Seigneur. Ma famille, au pied de Jésus. Ma famille, au pied de Jésus. Seigneur, merci infiniment pour ton amour, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ton amour à mon égard. Oh Seigneur, tu vas me laisser dans cette confusion. Oh, qui m'annonce le repos, la paix. Un enfant qui n'a pas de joie. Toujours son cœur triste. Est-ce qu'il est né comme ça? Il ne s'est pas né comme ça. Jésus-Christ, depuis le niveau de ma mère, il m'a conçu. Il a décidé. Il a eu le servi. Il a eu le servi. Seigneur, merci infiniment. Je m'engage à te servir. Je m'engage à te servir. Je m'engage à te servir, Seigneur. Père, je vais coopérer avec toi. Père, je vais coopérer avec toi. Père, je vais travailler avec toi. Père, je vais être ton enfant, Seigneur. Seigneur, parle-moi. Oriente-moi, Seigneur. Seigneur, oriente-moi. Parle-moi. Instruis-moi. Oh, Seigneur, donne-moi les armes il faut pour combattre, Seigneur, pour arracher mon village, la sorcellerie, des masses, les panthères, de toutes les sorcelleries, pour sortir, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur. C'est le mot me manque à te dire merci, parce qu'il a trouvé la paix, la joie. Rekebekere, rekerekereke. Suivant. Next one. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Capo Delphine, épouse Comouin. Mon fils et disciple, c'est le pasteur Gazoua Jean-François. Je suis de Grand Laou. Je voulais dire merci au Seigneur, lui qui m'a délivré des pièges de Satan. Il faut dire que arrivé un moment, mon mari, c'est un homme, il travaille, il aime bosser. Il sort tôt le matin, il rentre tard le soir. Et comme ça, nous avons un voisin qui rentrait de temps en temps à la maison. Gloire à Dieu. Et quand il rentrait, il disait souvent, qu'est-ce que tu as préparé? Et je le servais, il mangeait. Quand il rentrait, il venait avec des cadeaux pour les enfants. C'était juste un voisin. Gloire à Dieu. Et arrivé un moment, quand je ne le voyais pas, je commençais à le chercher. Mais dis donc, il n'est pas venu à la maison aujourd'hui. Hein? Mais je ne savais pas que j'avais commencé à aimer le voisin. Et j'ai eu un songe. Dans le songe, nous étions comme monsieur, madame. Ça ne m'a pas plu. C'est là que j'ai compris que j'étais tombée amoureuse du voisin. Gloire à Dieu. Et mon mari est rentré. Moi. Et j'ai dit, chérie, j'ai quelque chose à te dire. Il dit quoi? J'ai dit, je suis tombée amoureuse du voisin. Il dit, comment? Il dit, bon, il vient ici de temps en temps, il mange, il fait des cadeaux aux enfants. Donc, je suis tombée amoureuse de lui. Quand je ne le vois pas, je le cherche. Il dit, d'accord, donne-moi ta main. Et il a prié pour moi. Il a prié pour moi sincèrement. Et après ça, les jours qui ont suivi, je ne cherchais plus le voisin. Et c'est le Seigneur même qui m'a rappelé que, ah, tu ne cherches plus le voisin. Je t'ai délivré. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus-Christ. Jesus Christ. Je bénis le Seigneur de ce que
Mon mari n'est pas quelqu'un de dur. S'il était dur, je ne suis pas sûre que j'allais pouvoir lui expliquer que j'étais tombée amoureuse du voisin. Et il ne m'a pas posé mille et millième questions. Il n'a rien dit. Il a juste prié pour moi. Et le Seigneur m'a délivrée. Et les sentiments que j'avais pour le voisin a disparu. Alléluia. Acclamons Jésus. Let us clap for Jesus. Je bénis le Seigneur pour l'enseignement qu'on nous donne à la CMCI d'être transparent. Je bénis le Seigneur de ce qu'il m'a donné d'être vrai envers mon mari. Je bénis le Seigneur pour la puissance qu'il nous a donnée et il m'a délivré de ses chaînes. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je me nomme Akate Komla Abraham. J'ai pour faiseur pasteur Saint-Gauchal. Je peux dire, je suis né d'une famille qui adore des fétiches. Mon papa allait chercher des fétiches au Nigeria jusqu'au-delà de 52 fétiches. Comme je suis le seul garçon et puis le premier, il m'a dit que je suis son seul garçon. Donc, il va me transférer certains pouvoirs. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Comme moi, il cherchait des pouvoirs aussi. Il a accepté. Et puis, on a signé un pacte de sang. Il a coupé sa main, il a coupé sa main. Et puis, on a collé. C'est parti de là. Je commençais à servir le diable à l'âge de 13 ans. Jusqu'à aujourd'hui, le jour où le Seigneur m'a raconté. Dans le mois, on fait réunion trois fois. Le quatrième réunion, il m'a dit non. Pour pouvoir assister aux quatrièmes réunions, il faut un sacrifice. Je dis, quel genre de sacrifice? Il dit, actuellement, tu n'as pas encore femme. Le jour où tu vas avoir femme, je te dis, quel sacrifice tu vas faire? Je dis, OK, il a compris. Bon, il m'a donné certains pouvoirs, il assiste à certaines réunions. Et puis jusqu'à un jour, il a dit à mon papa que, j'ai vu une fille. Il me dit, OK, envoie-la à la maison. J'ai envoyé la fille à la maison. La nuit vers minuit 00, il m'a réveillé, il m'a dit, sacrifice que tu dois faire, c'est le jour la fille tombera enceinte, l'enfant, tu dois le sacrifier. J'ai dit, OK, il a compris. Il a accepté. Jusqu'à quelques mois après, la fille est tombée enceinte. J'ai dit, OK. Il a dit à mon papa, comment ça va se passer? C'est moi qui tuerai l'enfant ou bien il va envoyer des esprits pour tuer l'enfant? Il dit, le reste, laisse-moi faire. J'ai dit, OK, il a compris. Elle devait accoucher les 9 mois. L'enfant a fait 12 mois dans le ventre de sa maman. Bon, comme je ne veux pas expliquer à la fille, c'est moi qui ai la base. Donc, je passais certains chemins pour pouvoir fuir. Mais le jour de l'accouchement à l'hôpital, l'enfant devait décéder sur le champ avec sa maman. Bon, ça paraît que Dieu l'aime, l'enfant et puis sa maman. Il a envoyé certains frères de l'église pour pouvoir prier. Comme l'enfant n'est pas décédé, la maman aussi n'est pas décédée. Il fallait que moi-même, je me rends à la place de l'enfant. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. J'ai pris l'engagement. Mais, arrivé à un certain moment, j'ai dit non. Je suis le seul garçon de ma mère. Si je meurs en l'air là, c'est que la famille est finie. Parce que ma maman a fait 10 enfants. Je suis le seul, les 9 sont certaines filles. Bon, j'ai pris la décision, j'ai dit, OK, je vais me sacrifier. Mais si c'est pour aller rester dans notre pays, je préfère aller ailleurs pour pouvoir rester à côté de mon papa. C'est le jour où la souffrance a commencé. Mon papa a commencé à me persécuter par tous les moyens.
Je suis à Abidjan, bon, je dis pas que je suis à Abidjan, c'est à cause ça qu'il me voit. Je suis allé à Dimokro. J'ai fait 6 mois à Dimokro. Là-bas, ma mère, c'était pire. J'ai fait 3 accidents successivement où je devais mourir. 3e accident, tout le monde pensait que j'étais mort. Parce qu'on appelait au champ avec 3 roues. À Aquitaine, au champ, vers les 21h, 22h, comme ça. Dès qu'on arrivait au goudron net, le phare de la moto est coupé, lampadaire est coupé, on ne voyait plus. Bon, nous, on ne savait pas. Il y avait un tonneau au corridor, on mettait le sable dedans pour pouvoir ralentir les voitures. En même temps, le moto a cogné le tonneau là. Le moto a sauté, venu tomber sur mon pied, ça là. Il ne bougeait plus, je suis à terre. Les gens disent non, il est mort. Il dit non, je ne suis pas mort, je suis vivant. Je me suis levé, je suis parti à la maison. Je n'ai rien senti le jour là. Mais le lendemain, non, je ne pouvais pas mettre mon pied à terre. Ici jusqu'en bas, c'est enflé. Je dis ok, si c'est dans ça, il va mourir aussi. Bon, si la famille est finie, ça ne fait rien. Peut-être mes petits soeurs vont se marier, ils vont faire des garçons pour maman, ça s'arrête là. Jusqu'à la galère a commencé, je ne travaillais plus, je suis à la maison. Jusqu'à un jour, je prends mon téléphone, je dis bon, je vais aller sur YouTube. Première vidéo que j'ai vue sur YouTube, c'était Pasteur Meunier qui était de prêcher. Jésus-Christ. Jesus Christ. Bon, il a prié, bon, comme vidéo, la vidéo faisait 1h35 minutes 45 secondes. Il a dit non, il va finir ma connexion. J'ai zappé. Bon, j'ai zappé, mais quelqu'un me dit, reviens sur la vidéo. Au moins, je vais revenir sur la vidéo. Je suis tombé là où, en temps de délivrance, il n'a pas touché quelqu'un. Mais il parlait seulement, l'esprit s'est manifesté. Il a dit, ah, est-ce que bon, si quelqu'un qui n'a pas touché quelqu'un, donc, c'est qu'il est fort, plus que mon papa. Alléluia. Jésus Christ. Jésus Christ. Non, je pensais comment avoir le numéro du pasteur. Mais ils n'ont pas écrit, souvent les gens prêchent, mais ils ont écrit numéro en bas d'écran, mais lui, il n'a pas écrit numéro. Moi, j'ai commencé à réfléchir comment avoir le numéro. Un jour, je suis à la maison, une fois qu'il me dit, il faut sortir. Je t'assure, il est marché de Durobité jusqu'à Toban sans se rendre compte. Je suis arrivé au carrefour d'Atoban, quand je me dis, non, il faut t'arrêter. Il tourne à ma gauche, il voit une pancarte de CMCI. Jésus-Christ. Jésus Christ. Zamba Nogo. Là où ils ont écrit, Dieu peut te délivrer de la drogue et des cigarettes. J'ai dit non, ce n'est pas mon cas. J'ai pris ma route. J'ai fait quelques pas, donc je me dis, il faut revenir en arrière. Je suis revenu, j'ai pris le numéro qui est en bas de. Le numéro qu'ils ont écrit sur pancarte, j'ai appelé. Je me suis tombé sur un pasteur qui s'appelle Yebo Léandre. Il a dit, ok, je veux te voir. Il dit, non, actuellement, lui, il a attiré quoi? Si je peux venir attirer quoi, il va me mettre en contact à un frère qui va m'envoyer. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme je cherchais la solution, il n'y a pas de souci. Le dimanche est arrivé, un frère qui m'a appelé, il dit, ah, c'est de la part de Yebou. Il dit, ok, on s'est vu, il m'a envoyé ici. Il était assis là, c'est là-bas les invités s'assoient. Premier livre qu'il m'a donné, c'était Brisement des liens. Jésus-Christ. Jesus Christ. Bon, dès qu'il m'a donné le livre, je me suis retiré et j'étais coup d'œil dans le livre jusqu'à ce qu'il ait vu comment ils ont dévoilé les secrets de la sorcellerie dans le livre. J'ai dit, ah tiens, ceux-là, ils ont contacté à la sorcellerie ou bien? Non, ils me posaient 1000 questions. Jusqu'à le pasteur a prêché, à la fin, il dit, qui veut donner leur vie au Seigneur? Il voulait me lever, mais il y a quelque chose qui me retenait en arrière. Il a insisté. Si je voulais me lever, il y a quelque chose qui me retient. Si je voulais me lever, il y a quelque chose qui me retient. Il a dit, ah, c'est quoi ça? Il dit, ok, comme je suis venu
croiser quelqu'un. Bon, le programme a fini, moi, j'ai croisé la personne, on a changé, moi, j'ai parti. Un coup, il y a une voix qui me dit, il faut t'élever. Je t'assure, je n'ai même pas encore arrivé au milieu ici. Dès qu'ils voulaient franchir, briques, ils ont monté. Non, ici, il y a me lever, ils me trouvaient en bas là-bas. Il a demandé à un frère, comment ça s'est passé? Il dit, non, c'est le Seigneur qui a fait. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Non, c'est là, bon, il a pu marcher pour venir m'asseoir parmi ceux qui vont donner leur vie au Seigneur. C'est là, ils m'ont donné un livre, bon, quand je ne retiens pas le titre aussi. Ils ont donné un livre, déjà à la maison, il a révisé, il a jeté un coup d'œil dedans. Bon, il a appelé le pasteur Léon, il dit, ah, moi j'ai reçu le Seigneur. Il dit, il m'a dit, ok, croise-moi en gré. Je suis arrivé en gré. Il dit, est-ce que tu es prêt pour suivre le Seigneur? Il dit, parmi ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai traversé jusqu'à arriver ici, là, il n'y a pas marche arrière. Donc, il m'a dit, ok, ce que tu vas faire ta repentance. Il dit, moi, je n'ai pas péché, il n'a rien fait. Seulement que ce que mon papa me faisait, bon, il suivait, on fait les petits gestes là. Il dit, non, ça aussi c'est péché. Il dit, ok. Il dit, bon, il m'a donné un cahier. Il dit, il faut faire ta repentance. Il a fait la repentance le 14 juin. Je me suis baptisé aussi le 14 juin. Il dit, ça reste brisement des liens. Il dit, c'est quoi encore qui brisement des liens là? Il dit, ok. Et là, il m'a confié pasteur Francis Guépin. On est arrivé ici à Tiekoua le 23. Je devais faire mon brisement le 23. Donc, comme le Satan est rusé, mais il n'est pas fort. On a prié jusqu'à fini. Et il n'a pas manifesté. Au moment où le pasteur a pris la parole, que s'il y a quelque chose qui a échappé les frères qui n'ont pas dit, qui se manifeste maintenant, ça c'est gâté. Jésus-Christ. C'est gâté. Ils étaient deux frères, plus le pasteur même, ils étaient trois, mais ils ne pouvaient pas m'arrêter même. Non, ils ont doublé les chaises, plus de trois, quatre chaises, mais ça ne peut pas. C'était fort. Donc, le pasteur a prié jusqu'à c'est fini. Il dit, ok. Et ce que tu dois faire, il faut appeler ton papa, tu vas lui dire, le pacte qu'on avait fait là, je ne suis plus dedans. Que s'il veut faire ses sacrifices, les tentations, pour pas qu'il va prononcer mon nom dedans. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais mon papa n'a pas de téléphone. Il y a l'intermédiaire, lui, là, dans l'autre village là-bas, mon papa a eu. Donc, c'est lui qui doit appeler. Lui va quitter dans son village pour venir dans le village de mon papa avant de faire commission. Mais or, entre les deux villages, ça fait 15 kilomètres. Je dis, ah, tiens. À cause d'appel, il a déplacé quelqu'un de 15 km pour venir ici. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Le lendemain, dès que je suis allé sur WhatsApp pour voir s'il est connecté, pour pouvoir appeler, il a appelé un appel vocal. Lui m'a dit, voilà, lui-même, il cherchait depuis fort longtemps. Il dit, il y a commission de ton papa. Il dit, ok, quelle commission? Il dit, non, ton papa dit, il faut venir au pays. Il dit, oh, si c'est ça, il faut laisser. Et c'est pas à cause de ça, moi, il t'a appelé. Bon, il était dans la commission, il va dire à mon papa. Lui aussi, il dit non, la commission est trop lourde, lui, il ne veut pas dire ça. Il dit, ok, donc, on fait comment? Celle-là, il me dit non, ma petite soeur, elle est au Ghana. Il va m'envoyer son numéro. Là, si, comme on est de même papa, elle peut rendre la commission là facilement. Il dit non, si c'est elle seulement, elle aussi, je la connais, elle est plaque façon, elle ne veut pas dire ça. Il m'a envoyé le numéro, il a contacté ma petite soeur. Voilà, il ne fait pas de ce qui s'est passé. Il m'a dit, ok, le Seigneur est avec toi. Il veut te sauver. C'est pour ça que tu as passé tout tralala jusqu'à aller là. Bon, elle dit, rends commission à notre père. Elle me dit, non, actuellement, notre papa est malade. Il est à l'hôpital. Je dis, ok. Est-ce que tu as une Bible? Elle dit, oui. Prends la Bible. Va à l'hôpital chez notre papa. Elle me dit, non, toi tu connais le vieux, il ne va jamais accepter que quelqu'un prie pour lui. Elle dit, ok, tu dis il est dans le coma, non? Elle dit, oui.
dépose la Bible sur son oreiller et puis met ta main légèrement sans qu'il sache. Elle m'a dit, ok, il allait, j'ai prié. Jusqu'à 3 jours après, il s'est réveillé. La première personne qui l'a demandé, on dit, elle m'a dit non. Qui s'est réveillé, il m'a dit non, et mon fils. Je lui ai dit, quel fils? Il dit non, votre grand frère. Il dit, mais toi, tu disais qu'il est en voyage. Il dit, ah, ok, que le Seigneur soit avec lui. Non, bon, moi, il m'a dit ça. Il dit, ah, un féticheur qui dit, connaît le nom du Seigneur, c'est que le travail a déjà commencé. En fait, il m'a dit, ok, comme toi, tu viens de donner ta vie au Seigneur, il faut prier pour la famille. Je peux dire, parce que presque toute la famille, ils adorent fétiche. Mon papa, lui, il y a 52 fétiches chez lui à la maison. Nous, on s'en fout de quelqu'un. Au moins, il était en collège même, mes petits se sont maternels. S'il y a tant, on dit, ils ont frappé ma petite chère, ils laissent le coup, puis ils vont faire par la vis puis ils me retournent. Parce que autant, les gens m'ont appelé dans le village d'Ozo. Non, parce que, non, pour moi, les repas à l'étranger. J'avais plusieurs fétiches, jusqu'à un moment, je suis venu à côté. Quand je vois aussi, je participe à la fête des fétiches, jusqu'à le jour où j'ai fait mon baptême, avec brisement des liens. Ça là, il a tout arrêté. Jésus. Jesus Christ. Bon, le jour, je me rappelle le jour de brisement des liens, on a quitté ici vers les 5 heures, en allant presque 6 heures. Je suis arrivé à la maison. Il devait aller au travail. Mais quelque chose me dit, non, aujourd'hui, il faut te reposer. Bon, il a pris un léger sommeil. Là, il a fait songe où ils m'ont attaché avec une chaîne, chaîne contre un bois. Ce n'est pas une petite chaîne, une grosse chaîne là. Et puis, il y avait les gardes-corps qui sont à côté. Je me débat pour pouvoir sortir, mais ma force n'arrive pas. Tout d'un coup, je vois un homme qui a porté un habit blanc, un permis, avec lumière. Il voulait soulever ma tête pour vous regarder le visage de la personne, mais il ne pourrait pas à cause de lumière là. Donc il a baissé ma tête. Dès qu'il est descendu, ça devient un combat entre lui et puis ceux qui me surveillent. Donc il les a vaincus. Et puis il a rompu les chaînes. Le seul mot que je voulais attendre, le seul mot que j'ai attendu, va, mon fils, tu es délivré. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus Christ. Moi-même, j'ai dit, ce témoignage, je ne voulais pas rendre main. L'enseignement de papa avant-hier et puis hier. Là, je me suis approché, le président, il dit, ah, s'il y a la possibilité, il faut qu'il rende ce témoignage. Il me cherchait le matin, bon, il ne m'a pas vu être derrière là-bas. Juste d'ici, il est arrivé, il a vu les gens en train de témoigner. Je me suis approché, il dit, ah, je voulais rendre mon témoignage, c'est comment? Il dit, non, il me cherchait depuis fond longtemps, j'étais où? Il dit, non, c'est ça, il faut aller. C'est ça, il dit, va voir le pasteur. S'il peut accepter qu'il rend le témoignage, il y a eu ça de suite là. Il allait dire non, c'est possible. Il a pris que toute la gloire revient à notre Seigneur. J'ai décidé de suivre le Seigneur de toute ma vie, me consacrer à lui. Amen. Amen.